Salut à tous, c'est Monsieur RL. Donc aujourd'hui, on va faire un interview que comme ça, donc ça fait un nouveau truc dans la série. Je sais que les gens vont dire plagiat. Non, c'est juste que ça m'intéressait de le faire et c'est pas comme si je faisais exactement pareil que les autres. C'est parti pour le saviez-vous que la pitanthrophobie, désolé, et la peur de faire confiance aux gens en raison des expériences négatives. Saviez-vous que avant de dormir, 90% de votre esprit commence à imaginer ce que vous souhaiterez arriver dans votre journée. Saviez-vous que à ce jour, le plus long mariage a duré 91 ans et 12 jours. Saviez-vous que la piscine municipale est composée de 70% de pisse dans la piscine, vous imaginez? Dans la piscine, ça donne plus envie de se baigner. Saviez-vous que s'embrasser stimule 29 muscles et aide à détendre les hommes qui sont en couple? Saviez-vous que à Dubaï, vous pouvez appuyer sur un bouton pour commander une pizza? C'est plutôt fou. Saviez-vous que 85% des gens qui disent « je suis fatigué », la plupart du temps, c'est qu'ils sont vexés. Saviez-vous que peu importe le temps d'attendre, la véritable amour vaut toujours la peine d'attendre. Bonus. Saviez-vous que l'amour n'a pas d'âge? Vous pouvez être amoureux, quoi que ce soit, il ne devrait pas avoir d'amalgame. Vous êtes amoureux, c'est votre problème. Qu'elle soit pour certains moches et pour certains belles, quoi que ce soit, écoutez votre cœur, ce que votre cœur dit. Et là, je parle vraiment sérieux. L'amour n'a pas d'âge. Donc, si vous l'aimez, partez lui dire et peut-être que vous aurez une chance avec elle et pourquoi pas le plus long possible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et partager. Essayez de me le faire savoir si vous voulez encore de saviez-vous que. Parce que là, ça va mettre quand même pas mal de temps à le faire. Et moi, je vous dirai à la prochaine. Ciao.